Salut, salut. Notre tuto d'aujourd'hui porte sur l'analyse des facteurs de risque au moyen de d'autres réchauds. Nous allons prendre le cas particulier de l'épidémiologie. Vous voulez par exemple connaître les facteurs qui influencent de façon significative sur l'apparition d'une maladie ou d'une pathologie. Vous avez disposé d'une base de données portant des informations sur des patients souffrant ou pas d'une maladie, et vous voulez voir quels sont les facteurs, par exemple, qui prédisposent à l'apparition de cette maladie. Vous pouvez prendre par exemple le cas du sida, par exemple. Vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que le fait d'être un homme ou une femme peut vous prédisposer à développer la maladie à virus. Virus sida. Donc, pour ce qui est de la définition et du mode de calcul, vous devez savoir que l'odds ratio, qu'on appelle encore le rapport de chance ou alors le rapport de cost, ou alors le risque relatif approché, est une mesure statistique qui est le plus souvent utilisée dans les études épidémiologiques, qui permet de déterminer le degré de dépendance entre deux variables aléatoires. La première variable aléatoire peut être l'apparition d'une maladie. Maladie peut être le diabète, par exemple. On aimerait par exemple savoir est-ce que le fait d'être de sexe masculin ou de sexe féminin prédispose à développer le diabète. Voilà. Et donc, on va prendre deux événements qui arrive à un groupe, à deux groupes d'individus. Le premier groupe d'individus, nous l'avons dénommé ici le groupe A, et le deuxième groupe d'individus, c'est le groupe B. Et dans chaque groupe, on peut avoir des individus qui ont la maladie ou pas. Donc, on aimerait savoir si le fait d'appartenir au groupe A ou alors le fait d'appartenir au groupe B à risque ou alors protecteur contre la maladie, par exemple, pour prendre le cas d'épidémiologie le plus souvent utilisé dans les études de type cas témoin. Voilà. Donc, si la probabilité que l'événement arrive alors dans le groupe A est P, par exemple, et que la probabilité que l'événement arrive dans le groupe B est Q, alors, l'odds ratio se calcule en faisant de la façon dont vous pouvez observer sur votre écran le rapport des hôtes. Le premier hôte, c'est le rapport de la probabilité que la maladie, d'avoir la maladie dans le groupe A sur son complémentaire. Un autre, c'est le ratio entre une probabilité et son complémentaire. Et ce qu'on a l'autre hôte, c'est l'hôte de la maladie dans le groupe B, qui est le rapport entre la probabilité d'avoir la maladie, sachant qu'on est dans le groupe B, et son complémentaire. Voilà. Donc, voilà comment l'odds ratio se calcule de façon théorique. Alors, mais de façon plus pratique, on a, par exemple, pour ne rester que dans le cadre de la maladie, on a par exemple des cas qui sont des personnes affectées par la maladie, et puis les témoins qui sont notés dans ce tableau avec la terminologie controls en anglais, case pour dire cas. Et contrôle pour des témoins. Donc, les cas sont des personnes qui sont affectées par la maladie, et les contrôles sont des personnes qui ne sont pas affectées par la maladie. Et puis, expose sont les personnes du groupe qu'on a appelé plus haut le groupe A, les personnes ayant, nous l'avons dit, le groupe d'individus A. Les personnes du groupe A, et puis les personnes qu'on a appelées
non exposées ici sont les personnes du groupe B. Et donc dans chaque groupe, on peut avoir des malades comme des non-malades. Et donc dans ce tableau, par exemple, le nombre de personnes malades qui sont dans le groupe des personnes dites exposées sont A, le nombre de personnes du groupe des personnes dites exposées qui n'ont pas la maladie sont au nombre de B. Et donc, vous pouvez par vous-même compléter le tableau. Et donc, notre autre ratio, en fait, c'est le rapport entre les zones. Autrement dit, comme nous l'avons défini un peu plus haut, le ratio entre les différents hôtes, l'hôte de l'appartenance des exposés, c'est la probabilité d'être exposé à la maladie, d'avoir la maladie sachant qu'on est exposé, qui est P, et son complémentaire. L'autre hôte, c'est l'hôte de personnes non exposées, donc la probabilité d'avoir la maladie, sachant qu'on n'est pas exposé, sur sont complémentaires. Et donc, ce rapport d'hôte là est ce qu'on appelle l'hôte ratio qui peut se déterminer, sachant que P, dans notre cas, la probabilité d'être exposé à la maladie, sachant qu'on est exposé, c'est le nombre de personnes exposées ayant la maladie sur le nombre total de personnes exposées. Donc, c'est ça qui se calcule ainsi. Et notre Q, la probabilité d'avoir la maladie, sachant qu'on n'est pas exposé, c'est le nombre de personnes exposées, C, divisé par le nombre total de personnes non exposées, qui est C sur D. Et ceci dit, cette détermination de nos paramètres P et Q nous permettent de retrouver cette relation d'autruche qui est donnée là. Et donc, les interprétations peuvent suivre. Et donc, lorsque vous avez un odd ratio qui est de 1, on peut dire que, on peut tirer comme conclusion que la maladie est indépendante du groupe. Cela signifie tout simplement que l'on soit dans le groupe des personnes dites exposées ou alors que l'on soit dans le groupe de personnes non exposées, on a les mêmes chances de développer la maladie. Et donc, le deuxième cas, c'est le cas où l'odds ratio est supérieur, de l'événement est supérieur à 1. On dira dans ce cas que la maladie est plus fréquente dans le groupe A. Donc, les personnes du groupe A, ou alors les personnes exposées, dites exposées, ou alors ceux du groupe A, la maladie est plus présente, on est plus susceptible de développer la maladie lorsqu'on est dans le groupe A que lorsque l'on est dans le groupe B. Si on prend par exemple le cas du sexe et du diabète par exemple, si par exemple après nos calculs dans notre échantillon, on se rend par exemple compte que notre autre ratio est supérieur à 1 et que nous avions considéré que notre groupe A était les hommes et notre groupe était constitué de femmes de notre échantillon, on pourrait par exemple tirer la conclusion dans le cas où notre ratio est supérieur à 1 que les personnes du sexe masculin sont susceptibles de développer le diabète que celles du sexe féminin. Et donc, l'autre cas, c'est le cas où l'odds ratio est bien supérieur à 1. Bon, il faut distinguer supérieur à 1. Supérieur à 1, ça veut dire que supérieur à 1, mais on reste quand même dans le cas de supérieur à 1. Mais lorsque c'est bien supérieur à 1, ça veut dire que c'est quand même largement au-dessus de 1. Ça veut dire que la maladie est bien plus fréquente, beaucoup plus fréquente dans le groupe A que dans le groupe B. Ce sera à vous de définir l'ordre de grandeur. Si on trouve par exemple un autre ratio de 40, ça voudra quand même dire que la maladie peut être 40 fois plus fréquente dans le groupe A
et ça peut être quand même assez alarmant. Si on trouve un autre chiffre, par exemple de 1, c'est pour moi trop 35, on pourrait quand même dire que la maladie est plus fréquente, mais dans la mesure, mais ce sera à vous de définir l'ordre de grandeur, peut-être de dire en fonction du contexte, de la situation, que le facteur est quand même assez à risque. Et dans le cas où l'ordre est chaud est supérieur à 1, on pourrait également dire que le facteur est un facteur à risque, le facteur dominant, le facteur représenté par le groupe A, le premier groupe, on pourrait le considérer comme un facteur à risque. Dans le cas où il est inférieur à 1, on pourra le considérer comme un facteur plutôt protecteur. Et donc, on dira également que le facteur est moins fréquent dans le groupe A que dans le groupe B. Et lorsqu'il sera proche de 0, on pourra dire que le facteur est beaucoup moins fréquent dans le groupe A que dans le groupe B. Donc, le groupe B reste un facteur protecteur, le groupe A reste, le fait d'appartenir au groupe A reste protecteur, mais est beaucoup moins fréquent. Ça veut dire que on a plutôt intérêt à appartenir au groupe A si on veut, par exemple, ne pas être atteint par la maladie. Et donc, nous allons prendre un cas concret pour voir illustrer le calcul des overall ratio. Nous allons par exemple prendre dans le cadre d'une étude un échantillon de 200 individus dont 100 hommes et 100 femmes ayant bu au moins un verre de vin la semaine en cours. On a interviewé au hasard 200 personnes parmi lesquelles 100 hommes et 100 femmes ayant pris Il faut bien rappeler ici que ces personnes-là ont pris au moins un verre dans la semaine en cours. Et donc, nous allons définir ce qu'on appelle alcoolique. Nous allons définir alcoolique comme parmi les personnes ayant pris au moins un verre la semaine en cours, ceux qui avaient pris un verre la semaine précédente. Donc, nous allons les considérer comme des alcooliques. Ça, c'est juste une définition que nous prenons là pour essayer d'illustrer, même si la définition d'alcoolique peut aller au-delà de notre exemple. Nous allons donc considérer que ceux de notre échantillon, qui bien qu'ayant déjà pris un verre cette semaine, avaient pris un verre la semaine d'après, seront considérés comme des alcooliques. Et donc, dans notre échantillon, lorsqu'on fait la représentation, on peut se rendre compte que le dépouillement, on se rend compte que, par exemple, 90 hommes ayant pris un verre la semaine en cours avaient déjà pris un verre la semaine précédente et que 10 seulement d'entre eux n'avaient pas pris un verre la semaine d'avant. Et pour ce qui est des femmes, 20 femmes seulement avaient pris un verre la semaine précédente, alors qu'elles en avaient pris cette semaine. Et 80 n'en avaient pas pris parmi les femmes. Et donc, de façon mécanique, nous pouvons calculer notre odds ratio en utilisant nos formules que nous vous avons présentées, en utilisant A, B, C, D. Et en procédant ainsi, vous pouvez vous-même faire le calcul et constater par vous-même que notre odds ratio est de 36. Ce qui signifie tout simplement que les hommes, le fait d'être un homme est un facteur à risque de devenir alcoolique. Autrement dit, l'alcoolisme est plus prépondérant dans le groupe des hommes. Le fait d'être un homme prédispose naturellement à être alcoolique par rapport au groupe de personnes de sexe opposé. Et donc le chiffre 36 qui est là signifie tout simplement que dans la population considérée, les hommes sont 36 fois plus ont 36 fois plus de chances d'être alcoolique que des femmes. Voilà, j'espère que notre définition théorique et cet exemple pratique que nous avons pris vous ont permis de mieux appréhender la notion de odds ratio. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans mon tutoriel sur la régression logistique qui vous permettra de mieux comprendre l'utilisation des odds ratio. À très bientôt.